Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. L'info est tombée, la dépêche est tombée, le communiqué est tombé. C'est la révélation du jour. Claire Chazal est tombée aussi. Voilà. Eh oui, c'est fini le JT pour Claire Chazal. En cause, les audiences de plus en plus faibles, apparemment. Oui, c'est ça, PPDA devenait trop vieux, on l'a écarté, hein. Claire Chazal devenait trop vieille, on l'a écarté. Et moi, j'ai reçu un SMS de Jean-Pierre Pernaut, il est inquiet, hein. Attends, déjà qu'on lui a supprimé son compte Facebook il y a pas longtemps, il s'inquiète, hein. Fini Claire Chazal le week-end. Oh, ça va tout me perturber, moi, ça. J'ai toujours connu Claire Chazal au JT, moi. Ça me fout un coup de vieux. Je comprends rien, Secret Story, on me retire Claire Chazal, c'est plus mon époque. Touchez pas, Mimi Mati, c'est mon dernier rempart. Bon, il est pas bien haut, c'est vrai, mais c'est mon dernier rempart. En plus, elle était pas si vieille, Claire Chazal, j'ai lu dans les journaux qu'elle avait 24 ans. Hein? À 24 ans de JT. Ah, oui, je me disais aussi qu'elle faisait vieille pour son âge. Plus de Claire Chazal au JT, quoi. Alors j'ai lu que c'était sa remplaçante qui allait la remplacer. Oui, oh, vous moquez pas de ma phrase, hein, c'est un hommage que je fais parce que Claire Chazal en a sorti des belles, notamment celle-ci. Nombreux accidents, notamment près de Chambéry où un car transportant des touristes russes s'est renversé sur une bretelle d'autoroute, bilan 20 morts dont 3 graves. Oui, Claire, oui, effectivement. En fait, moi je pense qu'on l'a juste démasquée, hein. C'est elle la rédactrice en chef du Gorafi, tu sais, le journal d'infos satiriques totalement fausse. 20 morts dont 3 graves, ça sonne article du Gorafi, hein. C'est elle, c'est tout, elle s'est révélée. Non, mais moi je suis pas inquiet pour Claire Chazal, elle va vite retrouver du travail. Non, moi je suis inquiet, c'est pour le patrimoine culturel musical français. Ah, voilà, faut réécrire la chanson, faut faire quelque chose là, ça veut plus rien dire. Hein, ça c'est un vrai problème. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh ben on est là, on fait rien, voilà, bon. Quand je vous dis que le monde va mal. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.